faire sur place. Si le poisson vient le long du bord, allez vite, hein. Le long du bord et en surface, je conseille, comme aux quelques personnes assises au premier rang, de lever les jambes, si bien sûr vous ne voulez pas prendre un bain de pied. Pour commencer, on va déjà lui mettre deux poissons et en deux coups de patte, l'eau planée, elle va voler sous l'eau, exactement comme un oiseau vole dans l'air. Elle va revenir gentiment près du gibier, attendre ses poissons. C'est tranquille là. Gracieuse, rapide, en deux coups de patte, elle peut traverser les 18 mètres du bassin. En général, les deux premiers, elle les attrape tout de suite en les retournant la tête la première. En principe, les premiers, ils n'ont pas trop le temps de démarrer. Et gentiment, sans faire aucun effort, en planant, elle va revenir tout doucement attendre les poissons suivants. Capable d'accélération fantastique, mais heureusement aussi d'arrêt immédiat. Quelquefois, elle arrive à pleine vitesse, face à un carreau, attention la vague, elle est belle. Face à un carreau, si elle ne s'arrêtait pas immédiatement, elle passerait à travers. Il vaut mieux qu'elle s'arrête, ça part un looping, retournement, viration.